fromage de tête, maquereau vin blanc, formerette, caviar de la Croix-Rouge, justement, on a parlé. Le Niafron, ah, le Niafron. Monsieur Michel Godet vient de vous sortir un abécédaire de la cuisine lyonnaise, mais il a dit une seule vérité. Et la plus grande des vérités, c'est que chez Muriel, pareil, effectivement, c'est un excellent bouchon. Et qu'il faut vraiment s'y rendre sans plus tarder, dès le 9 juin. Ce sont des ouvrages, des livres. Alors, il y en a un qui a été commis en binôme à quatre mains, si l'on peut dire, avec Muriel Ferrari. Muriel Ferrari, c'est sans doute l'une, pour ne pas dire, la dernière mère lyonnaise qui officie à Lyon dans le 3e arrondissement, dans un établissement qui s'appelle le Café des Artisans, Bouchon Muriel, Muriel comme Muriel Ferrari. Que trouve-t-on dans cet ouvrage écrit donc à quatre mains? Ben, on va déjà trouver quelques notes sur la cuisine lyonnaise, savoir pourquoi Lyon depuis 1935 est la capitale mondiale de la gastronomie, et puis l'on parle également du phénomène des mères lyonnaises. Tout ça, c'est pour présenter cet ouvrage dans lequel, ensuite, vous allez trouver une centaine, 95 exactement, de plats lyonnais que l'on pourrait authentifier de lyonnaiserie militante. Alors vous savez que la cuisine lyonnaise ne s'invente pas, elle se vit, elle se déguste, elle se mange et surtout elle est symbole de convivialité. Alors vous allez trouver des choses aussi différentes que le tablier de sapeur, l'os à moelle, bien entendu la tête de veau sauce gribiche, et puis il y a également quelques gourmandises comme la tarte aux pralines, les pognes, sans oublier en entrée, bien entendu, le caviar de la Croix-Rousse. Alors je vous rassure, le caviar de la Croix-Rousse, ce n'est pas un plat de riche, c'est justement un plat que l'on appelle caviar de la Croix-Rousse, car il est fait avec des lentilles, n'est-ce pas, Muriel? C'est vrai. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, vous allez donc trouver, on le disait tout à l'heure, une centaine de recettes qui sont décomposées d'une manière traditionnelle, avec les temps de préparation puis les temps de cuisson, également les ingrédients du marché, toujours très facile à trouver, et puis également le déroulé de la recette, et puis quelques petits conseils. Hein. Servez bien chaud, mettez une petite crème avec, et tout ça, c'est la gourmandise, la lyonnaiserie militante. Muriel, elle ne parle pas beaucoup, elle. Elle préfère être au fourneau. Mais elle ne parle jamais à son fourneau? Non, bon, pas encore. Alors, Muriel, c'est pas simplement une cuisinière également, c'est une vie, c'est un personnage qui a un vécu, qui a vécu beaucoup de choses avec des moments agréables, d'autres moins agréables. Et puis un jour, elle s'est redécouverte dans l'amour de la cuisine, qu'elle aimait déjà beaucoup. Et puis il y a eu ce Café des Artisans qui lui a permis de se mettre au piano. Piano, c'est une expression bien lyonnaise, bien lyonnaise, parfois à double sens, et voilà. Alors, que dire d'autre? Bon appétit, large soif, avec modération, hein, selon la loi, et puis n'oubliez pas une chose, Bouchon Muriel, Café des Artisans, rue du Dauphiné, Lyon 3e, les machons sont possibles. En ce moment, c'est plutôt dans l'esprit plat emporté, mais demain, à partir du 9 juin, vous allez pouvoir vous refaire entre amis des plats lyonnais comme il n'y en a pas d'autres ailleurs. Alors, encore une fois, lyonnaiserie, gourmandise et convivialité. Bon appétit.